pas que moi qui écoute. Merci. Pas. Non, mais c'est... Alors, on va commencer par le dimanche. Le dimanche. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est la couleur rouge. Alors, la couleur rouge au Cambodge est assimilée au soleil. La lumière du soleil qui a pour effet sur les sentiments des gens. Après, le lundi. Le lundi, c'est la couleur orange. Cette couleur est assimilée à la lune, qui représente un cœur paisible et la victoire. Le mardi est la couleur violette. Cette couleur est assimilée à la planète Mars, qui peut être méchant ou têtu. Le mercredi, c'est la couleur vert clair. Le vert clair, en fait, au Cambodge, c'est la couleur d'une plante du Cambodge qui s'appelle la plante libre. Donc cette couleur est assimilée à Mercure, et le Mercure, la planète Mercure, est impartiale mais jamais féroce. Le jeudi est la couleur verte, jaunâtre, un peu plus foncé, qui est assimilée à la planète Jupiter. C'est une planète gourou pour la magie, la littérature et les phénomènes naturels. C'est pour cette raison que nous portons ce qui représente la nature, la faune et la flore. Le vendredi. On applaudit s'il vous plaît à chaque arrivée de ces belles demoiselles. C'est la couleur bleue qui est assimilée à la planète Vénus, qui est une puissante et assure que les gens sont heureux et maintient toujours un air de tolérance. S'il se met en colère, il ne perd jamais son sang-froid. Le samedi est la couleur prune. On applaudit le samedi. Alors je me tendais, c'est Primtown en Khmer, qui est assimilée à la planète Saturne, est compatissante et aidera tous ceux qui lui plaisent. Cependant, si elle se met en colère, elle détruira quiconque aura causé sa rage. Comme vous le constatez, les Cambodgiens tiennent fermement à leurs croyances, leurs traditions et les couleurs de bon augure. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir toutes les femmes portant le même haut, les mêmes couleurs, un jour donné pour les cérémonies officielles ou à des grandes occasions. Voilà. On va applaudir ces charmantes demoiselles, très très élégantes, qui représentent donc les jours de la semaine ainsi que les planètes au Cambodge. Elles vont défiler devant vous à présent. On va commencer par le dimanche. Angela. Le dimanche donc, s'il vous plaît, on applaudit. Le lundi. Ensuite, le lundi. On applaudit également, s'il vous plaît. On passe maintenant au mardi. Et on applaudit bien fort également le mardi. Et c'est au tour du mercredi de s'avancer également. On les applaudit bien fort, c'est pas facile de se présenter devant autant de monde. Le jeudi à présent. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Et maintenant, le vendredi se présente à vous lors des fêtes consulaires 2016 avec la ville de Lyon.
Et on termine enfin par le samedi. On en prend plein les yeux de par les couleurs et la beauté de ces demoiselles. Toute la richesse de la culture cambodgienne devant vous, mesdames et messieurs. On les applaudit une dernière fois. Et on va applaudir maintenant nos deux danseuses du Ballet Royal. Avec Borena et Karine. On applaudit bien fort, elles ont représenté les divinités. On remercie aussi M. Thierry André, conseiller à Saint-Genis-Laval de l'association des bouddhistes, les membres de l'association Danse dans Corps, et tout le Cambodge, ainsi que M. l'ambassadeur et M. le consul, ainsi que l'épouse de M. l'ambassadeur, qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Au Cambodge, et pour vous dans quelques minutes.